Hello à tous, ici Zera et je suis très contente de vous retrouver parce que je vais filmer une vidéo, Donc en gros, je vais faire un classement des 20 garçons manga que je préfère. Donc en fait, je vais mettre les images, je vais dire les prénoms, je vais dire pourquoi je les ai mis dans cette position, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Voilà. J'adore ma vie parce que voilà. Parce qu'en fait, toutes les vidéos que je faisais toute seule, il y avait toujours Mavis à côté, que là, elle est pas à côté. Du coup, on va pas l'entendre parler, on va pas entendre ces musiques de merde. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, mes musiques du moment, il y avait Mavis à côté. Elle arrêtait pas de mettre des musiques. Ah, elle m'avait saoulée. Voilà. Oui, je sais, je n'ai pas d'humour. C'est triste. Pardon. Donc, c'est parti. Nous commençons par le 20e. J'allais dire le 10e. Le 20e, voilà. En 20e, j'ai choisi Mizuki parce que Mavis, elle l'adore. Mais moi, je trouve pas que c'est genre une beauté fatale, etc., etc. Donc, je peux pas tellement déterminer parce que Serge n'est pas vu le manga. Beaucoup de monde vont dire « Ouais, tu juges, etc. » Enfin, je veux dire, tu... Comment dire ? Enfin, voilà quoi, en gros, tu mets dernière, t'as pas vu le manga, tu peux pas décrire son caractère, etc. Mais là, en fait, je fais en beauté, en question beauté, parce que j'ai vu certains mangas. Et encore, il y en a que j'aime bien leur caractère, etc. Mais c'est plutôt leur beauté que j'aime beaucoup. Donc, Mizuki, je trouve que c'est pas le plus beau. Voilà. Mavis, elle avait mis pas mal haut, je crois, dans le top mec... qu'on a fait toutes les deux, donc n'hésitez pas à aller le voir, voilà. Et elle avait mis pas mal haut, et moi, Mizuki, c'est pas mon préféré. Mais voilà, donc du coup, bah, je l'ai mis en 20e. Voilà. En 19e, j'ai mis Subaru, parce que je trouve qu'il est super mignon. Enfin, quand il est plus petit, je trouve qu'il est vraiment mignon. Enfin, genre, il a une tête, je trouve, trop mignonne. Mais son caractère destructeur, genre je sais pas comment ça se dit, j'aime pas tellement son caractère en fait, je trouve qu'il est trop vorace, enfin sauvage quoi, en quelque sorte. Par contre j'aime beaucoup son histoire quand il était petit, et voilà. Mais je trouve que quand même il est un peu brusque en quelque sorte. Il arrive, il détruit le mur, voilà, enfin je veux dire... Voilà, c'est un vampire, certes, hein, voilà. Pour ceux qui veulent le manga, c'est Diabolique le Vert, et j'aime beaucoup ce manga. Je trouve qu'il est bien, sauf la fille. Lui, sérieux, qui a inventé cette meuf? Voilà, hein, j'ai pas compris le délire avec elle, hein. Mais bon, hein, voilà. Ils sont petits kiffs, là. Voilà. Mais sinon, en 19e, j'ai mis Subaru, enfin voilà. Je trouve qu'il est pas... Quand il est plus grand, je trouve qu'il est pas aussi mignon que quand il était plus petit, du coup, voilà. En 18e, j'ai mis Macbeth, parce que, ben... Encore... D'accord, il y a une voiture qui passe, merci la voiture. Je trouve que Macbeth, c'est pas non plus le plus beau. Encore, j'aime bien quand, en quelque sorte, il avait fait une attaque, et il avait un œil, je crois, rouge, ou violet, je sais plus... Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Fairy Tail. Et parce que là, en ce moment, je suis en train de regarder Maggie. Parce que Mavis m'oblige. Voilà. Hein. Macbeth, j'aime bien son caractère des fois. Mais pas tout le temps. Enfin, je trouve qu'il est un peu comme Subaru. Je trouve qu'il est un peu sauvage. Mais sinon, en termes de beauté, Macbeth, il dort tout le temps. Enfin, non, ça c'est son caractère, pardon. En termes de beauté, je trouve que c'est pas non plus le plus beau. Enfin... Pas celui que je mettrais premier ou dans le top 5 ou dans le top 10, etc. C'est pour ça que j'ai mis 18e, mais voilà. Voilà. J'ai pas d'autre chose à dire en fait sur Macbeth. Mais sinon, ouais, je trouve qu'encore Macbeth, il est mignon. Voilà. En 17e, j'ai mis Yato. Par contre, je trouve que ses yeux sont juste magnifiques. C'est un bleu et enfin, éclaircissant en quelque sorte, et j'aime beaucoup cette couleur. En gros, je l'ai mis sur cette place, en 17e, parce que j'aime bien ce caractère, mais je veux dire, Noragami, c'est pas un manga que, genre, j'adore.
c'est pas genre le manga. Oh, waouh, je l'ai vu. Oh, j'adore. Voilà, mais je veux dire, c'est le caractère de Yato qui est tueur déjà, hein. Voilà, bien réalisé. J'aime bien ce caractère encore quand il était un peu plus jeune, enfin pas quand il était petit comme Subaru, mais je veux dire, quand il était un peu plus jeune, il tuait tout le monde en fait. Enfin, genre 1 an, 2 ans avant, enfin, je veux dire, en gros, c'est un tueur, voilà. Hein. Et je veux dire encore, ça va, j'aime bien son caractère, mais c'est pas le caractère que je préfère, quoi. Il est pas doux, relax, lui, c'est à fond, il détruit tout, quoi. Voilà, hein. Bon, là, j'ai tapé sur le mur, hein, faut pas le dire. Là. J'ai détruit le mur comme Subaru. Oh. Alors maintenant, c'est un garçon dans Amnesia. Je sais que pas grand monde aime ce manga. Je trouve que quand même, c'est un peu bizarre l'histoire, mais... Je veux dire, elle croit qu'elle sort avec plusieurs mecs, etc. Enfin, je veux dire, c'est très bizarre. Mais j'aime bien ce mec-là. Par contre, le mec aux cheveux verts, hein, oubliez-le, c'est... Lui, il n'y a rien qui fait flipper, voilà. Du coup, en fait, c'est Shin. J'aime beaucoup ce personnage. Enfin, je veux dire, encore son caractère, je trouve qu'il est protecteur, en quelque sorte. Ça fait très longtemps, par contre, que j'ai regardé Amnesia. Du coup, je ne pourrais plus trop décrire son caractère. Mais je trouve que Shin, encore, je trouve qu'il est beau. J'aime bien, je trouve qu'il est mignon, etc., etc. Voilà. Après, j'ai rien d'autre à dire parce que je crois que j'ai tout dit sur lui. Je trouve qu'il est mignon, il est normal, quoi. Donc voilà. Maintenant, en 15e, nous avons Jellal qui est dans Fairy Tail, voilà. J'aime bien Jellal, enfin, je veux dire, encore son caractère, je trouve qu'il est normal, il est pas tueur, etc. Et j'aime beaucoup le couple Gerza. J'avais fait un MV sur ça, la musique était je ne sais pas, voilà. Et j'aime beaucoup ce couple, et Jellal en particulier. Voilà. Je trouve qu'Erza, elle est un peu genre... On dirait qu'Erza, c'est le garçon, et Jellal, on dirait que c'est la fille, parce qu'Erza, elle est très, très masculine que Jellal, pas en termes de look, mais en termes de caractère, je trouve. Donc du coup, ça me fait un peu rire ce couple, et puis j'ai beaucoup aimé le moment où elle lui met une baffe, et en fait, il tombe, et genre, Jellal, il est sur Erza, et ils ont failli s'embrasser, mais ils se sont pas embrassés. Ah, j'étais trop dégueulasse, par contre, j'aurais tellement voulu qu'ils s'embrassent devant, j'étais, oh, oui, là, oh, non, voilà, voilà. Je me tape un désir toute seule. C'est très bizarre. Très bizarre, Vera, là. C'est très bizarre. Donc voilà, et ouais, j'aime beaucoup ce couple et j'aime bien Jellal. Voilà. En 14e, nous avons Zeno, qui est dans Atsuki no Yona. Donc, je n'ai pas vu ce manga non plus. Enfin, d'après mes souvenirs, je ne pense pas. J'ai déjà entendu ce prénom, je crois que j'ai regardé déjà le premier épisode. Mais je crois que j'ai arrêté au bout du premier. Voilà. Du coup, Zeno, je trouve qu'il est quand même très mignon. J'aime beaucoup sa beauté faciale. mais je veux dire, c'est pas le plus beau Shin, Mizuki, voilà quoi. Et aussi parce que je ne fais pas de 14e à placer, voilà. Zera, bravo, voilà. Donc Zeno, je trouve qu'il est vraiment mignon, mais vu que je n'avais pas de 14e à placer, voilà, hein. Excusez-moi pour celles qui aiment vraiment Zeno. En 13e, nous avons Zeleth. Donc oui, tout le monde va me tuer, je sais, tout le monde adore Zeleth, hein. Mavis, déjà, elle, en première, elle va me tuer, déjà, hein, voilà. Mais je veux dire, Zeleth, déjà, il est dans Fairy Tail. beaucoup de monde vont me critiquer en quelque sorte, parce que c'est vrai que beaucoup de monde trouve Zeleth mignon, etc. Mais ce n'est pas mon préféré comme... Zeno, etc. Mais je
truc, moi aussi il est mignon, mais je pouvais pas le placer plus haut parce que j'ai d'autres garçons que je préfère à Zélef, etc. Donc du coup, je m'en excuse pour celles qui aiment Zélef. Et Zélef, il a un esprit de tueur aussi. Enfin, je veux dire, dans les scans que j'ai lus, que Mavis fait d'ailleurs, mais moi j'en suis pas au scan 506, etc. J'en suis qu'au scan. Voilà quoi! Très 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 petit. Genre. À peu près 10 scans après la fin de Fairy Tail, enfin pas la fin, mais après la fin de l'animé de Fairy Tail. Donc du coup, en fait, Zélef, enfin je vais pas vous spoiler les trucs, sauf si vous avez vu les analyses de scans que Mavis a fait. C'est pour ça que moi d'ailleurs je peux pas faire d'analyse de scans parce que. Voilà quoi, j'ai pas vu tous les scans. Et donc en fait, Zélef, j'ai vu dans les scans, c'est pas que c'est triste son histoire, mais elle m'avait touchée quand même. Zélef n'a pas spécialement une très bonne vie en quelque sorte, hein, voilà, on va le dire. Hein. Et voilà. En 12e maintenant, nous avons Kura. Donc là, Mavis va totalement me défoncer, j'aurais plus de tête, hein, voilà. Mais quoi, c'est un vrai psychopathe tueur. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce mec? Sérieux, c'est... Enfin, je veux dire, c'est quoi ce mec? C'est un vrai tueur, quoi. Je sais pas si vous avez vu la MV de Mavis, mais genre, lui, c'est un vrai tueur, quoi. Enfin... On dirait déjà une fille. Elle m'avait dit, tiens, regarde celui que je préfère, et j'avais entendu celui. Et après, j'ai fait, c'est un mec, ça? Elle me fait, bah oui, pourquoi? Elle m'a fait, après, du coup, voilà. Enfin, je vais pas raconter l'anecdote parce que c'était, elle m'a foutu une baffe. Voilà. J'adore ma vie, voilà. Donc, du coup, bah, Kuha, c'est pas mon préféré. Et puis, je veux dire, il a de grandes dents quand même, ouais, il sourit. Enfin, je vous mettrai une photo et voilà, enfin, voilà. Voilà. En gros, bah voilà. Et Kuha aussi, j'ai oublié de préciser, il est mon Maggie. En 11e position, maintenant, nous avons Yukine. C'est un garçon dans Noragami que ça va, j'aime bien. Enfin, je veux dire, j'aime bien son look, enfin, sa beauté. Et puis son caractère, je trouve qu'il est doux. Enfin, je veux dire, genre, il se transforme en arme, quoi. Je crois que c'est Yuki en tout genre, quoi, il est en arme. En gros, c'est deux épées et tout. Enfin, j'aime beaucoup le sacrifice qu'il a fait à un moment contre je sais plus qui, la fille qui a un long, qui a plusieurs. Trucs là, je sais plus comment ça s'appelle. Non. Il y a un Digi, mais ça c'est dans Maggie. Et en gros, en deuxième position, j'ai mis Maggie parce que. Enfin, en Maggie. J'ai mis Yukine qui est en Noragami parce que j'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà. En 10e position, j'ai mis Yunnan, donc il est dans Maggie. Donc son caractère, il est calme, serein, voilà. Et donc en gros, j'aime bien parce que, enfin, je veux dire, on dirait une fille, sérieux. Non, je veux dire, il a très longs cheveux, il fait une tresse un peu comme les filles. Enfin, sa tête, c'est vrai, ça se voit que c'est un garçon. Mais je veux dire, enfin voilà, sinon, je l'aime bien, je trouve qu'encore il est mignon. Voilà. Voilà. 9e position, maintenant nous avons Kanato. Donc voilà, donc Mavis là, elle va complètement me défoncer sa race. Là, c'est encore plus pire que Zélef ou voilà. Mais Kanato, genre, elle va me défoncer. C'est bon, j'ai plus de tête. Voilà, quand même, alors cette vidéo. voilà. Dans la nuit, elle va me tuer. Voilà, elle va me couper la tête. Demain, j'en aurai plus. donc, dis que. J'ai mis Kanato parce que je trouve que c'est pas non plus le plus beau. Enfin, Mavis, elle le trouve mignon. Elle le trouve mignon, mais je veux dire. Pardon, j'en rigole parce que je sais que Mavis, si elle regarde cette vidéo, elle va me défoncer. Donc voilà. Du coup, j'ai mis Kanato parce que je trouve qu'il est pas si mignon que ça, que comme dit Mavis. Moi, j'aime. du coup, j'ai mis Kanato parce que, genre, son. Je veux dire, Teddy. Teddy. Qu'est-ce que ça balèque de Teddy, franchement? Teddy, c'est Teddy. C'est. Ouais, salut Teddy, ouais, ça va. Ouais, ça va, moi, c'est un ouf, t'es en compagnie.
compagnie de mon mec qui est un petit comparateur, voilà, qui t'appelle Kanato. Donc voilà quoi.